L'hélico est paré au décollage? Affirmatif, mais il y a un canon anti-aérien qui bloque le ciel autour des navires de guerre de Castillo. Ça marche, Juan. Je m'en occupe. Merci. Parce que si ma main est en plein vol, je te garantis que je viendrai m'écraser sur ta tronche. C'est bien, bon cheval. Énorme ton discours. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour Libertad et pour moi. Tu me remercieras quand on aura enfoncé le blocus de Castillo. On se reverra de l'autre côté, Dani. L'officier qui commande. Que ce crocodile s'approche pas. J'ai intérêt à faire gaffe. Thank you.
Hey Juan, plus de canons anti-aériens. Le ciel est à toi. Maintenant, fonce vers les navires. Et Juan sera ton ange gardien de la mort. Tout ce que tu veux, tant que tu protèges mes arrières. Calme-toi, t'as rien à craindre. Clara, je suis près des navires de Castillo. Muy bien, Dani. Tu monteras à bord de ces bateaux pour les prendre d'assaut. Julio, t'es où? Posté dans le phare. Mon lance roquette et moi, on a les bateaux bien au visuel. Raisa, au rapport. Je suis en haut de la tour. Sniper chargé. Cible verrouillée. Juan? Accrochez-vous, camarades. Juan prend le ciel et bientôt le crâne de ses ennemis. Rappelez-vous, on s'empare de ces navires et on effectue une percée jusqu'à notre île. On n'aura pas de deuxième chance, Libertad. Bon courage. Sers-toi de ta caméra pour contrôler les défenses de ces navires. Regarde avant de sauter. Si Lita était avec nous, elle serait contente. Et déjà en route vers ces bateaux. Si Lita était là, je l'engueulerais pour t'avoir gardé pour elle tout ce temps. Prends soin de toi, Julio. Clara, je suis à bord. C'est presque bon, Dani. Détruis ces navires et n'hésite surtout pas à retourner leurs armes contre eux. Les tourelles, ça envoie du pâté.
visuel. À tous, repoussez les intrus. Je répète, à tous, repoussez les intrus. Gracias, Raisa. T'as plein de cibles à éliminer, Juan. Come on!
ça a l'air foutu là-bas. Où est-ce que t'es, Clara? Viva Libertad, Dani. C'était du feu d'artifice. Je dois bien l'admettre, Clara. T'as réussi. Nous avons réussi, Dani. Ça fait toute la différence. C'est quoi ton plan une fois en Amérique? Mon ami Alero et moi, on devait faire des petits boulots pourris pour gagner un peu d'argent. Et puis ouvrir un garage. Si le blocus américain nous a bien appris quelque chose, c'est à nous débrouiller même avec rien. C'est ça ton rêve? C'est vrai. Les Yankees te paieront peut-être pour garer leurs voitures ou cueillir leurs fruits, mais tu ne seras jamais l'une d'eux. Le rêve américain, il n'existe pas dans notre couleur. Ok, si on critique les rêves, qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes, Presidente Garcia? Je donne pas 6 mois au prochain président avant d'être assassiné. Quoi? C'est la vérité. Tes élections libres sont pas censées régler ça? Qu'est-ce qui est arrivé à ta liste? C'est un projet, Dani. Mais je ne suis pas aussi naïf que tu crois. Cette révolution va libérer Yara, mais tout ne sera pas réglé. Quand on prendra la capitale, Yara sera en flammes. Guerre civile, clan, seigneur de guerre, coup d'état soutenu par l'étranger et j'en passe. Les Yaran s'entretueront pendant une génération. Ce combat m'occupera pour le restant de mes jours. Yara est coincée dans un cycle de tyrannie et de révolution. À moi de montrer comment briser ça. C'est pas un rêve en fait. C'est un devoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Personne choisirait ça. Si, Dani. Tous ceux qui me suivent et qui rejoignent Libertad ont choisi ça. Mais tu sais, je te vois bien réapprovisionner les rayons d'un hypermarché américain. Ta gueule! Non, non, je dis juste que tu serais canon avec un petit uniforme, un badge et un joli tablier. Arrête un peu de fantasmer, Clara. Bienvenue chez moi, Dani. Mes guerrieras préférées. Mon île me manquait. Ce soir, on fait la fête. Désolé, Refa. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de nouvelles de Julio.
Libertad tuera tous ces putains de vrillards. C'était Rulio. Il est mort. Il a rejoint ton ami Lita au paradis. J'honore mes promesses, Danny. Tu veux un bateau ? Pinga. Je parie que ce putain de bateau aura coulé d'ici Miami. Disculpa, mi Clara. C'est pas mon combat. Malgré cette tragédie, la firme promet que son nouveau parc auréolé de mystère ouvrira bientôt ses portes au public. Nous apprenons que la guerre est terminée à Yara. Le président Anton Castillo a annoncé que la chef du groupe terroriste Libertad, Clara Garcia, a été abattue par ses forces spéciales. Et face à la progression de la pandémie dans le monde, le gouvernement fédéral pourrait mettre en place un nouveau confinement national. Mais avant, que diriez-vous d'un peu de bonne humeur ? Do that conga, no, you can't control yourself any longer. Pourquoi je me sens aussi à la cool? Bureau, Juan. Danny, de retour pour répandre le chaos ? D'aucuns appellent ça une chemise hawaïenne. Je préfère dire smoking de guerrier. Machine de guerre préférée. Une arme pas dangereuse à fabriquer est une arme de merde. Con calma. Tu veux que je te fabrique les meilleurs Supremos ? Et que je te bricole des armes ? Alors j'ai besoin d'uranium appauvri. T'as de la chance ! Castillo a planqué ses réserves près des plus grosses armes de l'île. Ses canons anti-aériens. Quand t'auras trouvé de l'uranium, rapporte-le à mon bureau. Ou à un de mes associés. Tu reviendras ! Ils reviennent toujours.
De retour à Santuario. Ramenez toutes les armes, les balles et des recrues aussi. Castillo est surpris. Il faut garder l'avantage. Bienvenue chez Libertà. Castillo contrôle tout Yara grâce aux soldats, aux esclaves. De matériel, viens me voir. Et des ressources de qualité pour toi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut garder la foi. On va gagner. Et je suis sûr. En forçant le blocus, on a envoyé un message à Christophe. Si tu butes des soldats, Castillo va envoyer ses forces spéciales à ta recherche. Et
tu sais pourquoi elles sont si spéciales ? Elles ont reçu un entraînement spécial et sont lourdement armées. Fais ta maligne. Mais c'est bien ça. Au moins t'es prévenu. Clara, je suis en route pour Valle de Oro. Super. J'espère que tu trouveras les Maxima ce matin de SAS. D'ailleurs, comment tu les connais ? Talia et moi, on a dirigé les premières manifestations contre Castillo. Et Paolo a mobilisé les dissidents. Mais on a perdu le contact après les émeutes d'Esperanza. J'étais là. Ces émeutes ont fait beaucoup de blessés. Abandon depuis un sacré moment. Hé hey, les Maximas Matanzas ! Talia ? Il y avait quelqu'un ici. Il y a peut-être un mot. Il voulait que les autres les suivent. Clara, les Maximas Matanzas étaient bien au fort. Il y a des signes de fusillade et c'est un gros bordel. Ça leur ressemble. Tu peux suivre leur piste ? Oui. Ils seront pas durs à retrouver. C'est justement ce qui m'inquiète. Dépêche, Dani. Squatter. Le pauvre. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Comptez s'enfuir avec tout ça ? Oh, idiotas.
me tuez pas! J'ai des gamins! Tu sais à quel point c'est lourd? Je vois des gens comme toi tous les jours. Tous les jours, putain. Moi, je veux juste être chez moi avec ma famille. T'as une famille? Faites pas ça! Pas les moi! Gosses. Toi! Tu pourrais m'aider! Gracias, mia. Avec plaisir. Cette chanson. Merde. Quelqu'un d'autre les a trouvés avant moi. Il va falloir faire gaffe. Doucement, princesse. On pourra plus chanter après. Je chante Clara, pas, connard. Je crois que j'ai trouvé la planque des Maxima ce matin. Mais les soldats de Castillo étaient déjà là. Qu'est-ce que tu fais? Défonce ces salopards! Nous c'était le dernier. Les gars, les soldats sont partis. Vous pouvez sortir. Et c'est ce qu'on veut. Eh hein. Sans déconner. Il va falloir assurer. C'est rien qu'une rumeur. Il n'y a absolument aucune...